Salut à tous, c'est Roman, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et j'avais envie de partager avec vous quelques idées du moment. Donc ça va être une petite série de vidéos, de 4-5 vidéos, qui va être en mode back to basic, quoi. Okay, retour aux sources. Donc le but, ça va être de maîtriser un petit peu des éléments qui, moi, me paraissent essentiels pour progresser rapidement à la guitare et vous faire gagner un petit peu de temps dans votre apprentissage, parce qu'on sait qu'au début, c'est pas évident, quoi. Okay ? Donc aujourd'hui, on va apprendre à jouer ça. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une façon de jouer des accords très simples, d'appréhender la pulsation et le rythme. Et tout ça au sein d'un même exercice, on pourrait dire, parce que le problème, c'est que si vous avez débuté avec vos accords de base, vos accords ouverts, type Do, Sol, Ré, tous ces accords-là, là, dans les trois premières cases, peut-être que vous arrivez à les faire sonner, indépendamment, un par un, mais par contre vous avez du mal à les enchaîner. Donc pour simplifier un petit peu tout ça, on va essayer de simplifier un petit peu les choses, au moins pour le début, de façon à augmenter un petit peu le plaisir immédiat de jeu, sans solfège rythmique, sans rien du tout. Okay ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous partager un petit peu le document en question, que vous aurez bien sûr gratuitement dans la description, hein. Alors, le document, c'est celui-ci. Okay ? Donc, on va parler de pulsation, de rythme et d'accord. Donc, qu'est-ce que la pulsation ? Pour faire très rapide, très succinct, la pulsation, c'est la vitesse de votre morceau. Okay ? Donc, principalement, en général, 99% du temps, vous allez jouer dans des métriques qui sont à 4 temps, okay ? 4 temps par mesure. Donc, on peut tout simplement compter les temps de façon cyclique et régulière, et c'est ça qui va constituer la pulsation, hein, la vitesse de votre morceau. Les rythmes, c'est les débits de notes que vous allez faire en rapport avec cette pulsation-là. D'accord ? Donc le rythme qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de faire un rythme qu'on va appeler ensemble genre vive le vent, okay, parce que ça va faire ba, 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 ba. Vous pouvez aussi le faire comme je l'ai noté là, en ba, au, ba, bas, haut, bas. Pour vraiment démarrer, je vous conseille de faire tout vers le bas, ça sera plus facile, et dès que vous maîtrisez ça, vous introduisez le retour. Alors pourquoi je l'appelle vive le vent ? Parce que bah, ça fait vive le vent, vive le vent. On peut aussi le penser à we were rock you, c'est le même rythme. Hein. Donc ça, c'est notre rythme de base. Et on va le faire à chaque fois deux fois, comme je viens de le faire, sur chacun des accords. Alors les accords qu'on va faire, c'est des accords qui vont être un peu simplifiés par rapport aux accords ouverts que vous connaissez déjà. Donc, si vous regardez bien sur le partage d'écran, en bas, vous avez un genre de sol, un genre de do, un genre de si mineur, et on revient au do. Donc, je me remets en écran un petit peu plus, voilà, plus grand pour vous expliquer comment placer les doigts déjà. Donc, un truc qui va être fixe sur tous les accords qu'on va jouer, c'est les deux doigts qui sont en bas. Donc, on met l'annulaire casse 3 à corde de si, et le petit doigt, toujours casse 3, mais cette fois-ci sur le mi aigu. Ensuite, pour l'accord qui va ressembler au sol, il suffit de rajouter le majeur sur la grosse corde. Okay ? Après, on fait tout sonner. Et ça doit sonner comme ça. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte que la corde de la, elle est mutée. Mais c'est pas grave, au contraire, c'est ce qu'on veut. Vous pouvez déjà vous entraîner, si votre accord sonne, à faire le... Okay. Dès que vous êtes à l'aise avec ça, on passe au deuxième accord. Donc je vous invite à regarder sur le PDF que je vous ai montré tout à l'heure. Il suffit juste de décaler le majeur d'un étage vers le bas. Et on a un accord qui pourrait appartenir à la famille des Do. Donc, essayez si possible, quand vous placez votre majeur sur la case 3 de la corde de La, d'étouffer le mi grave pour éviter que ça sonne comme ça. Avec un mi qui résonne. Alors, c'est pas extrêmement faux,
mais ça sera plus net si vous arrivez à étouffer la corde. Alors, si vous jouez sur guitare classique, vous ne pourrez pas passer le pouce au-dessus, puisque la largeur du manche fait que ça sera difficile, à moins d'avoir des mains vraiment très 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 grandes. Et si vous êtes sur acoustique ou guitare électrique, là, ça sera possible simplement de remonter un tout petit peu votre pouce pour toucher la corde de mi et avoir quelque chose de clean, quoi. Okay ? Donc, une fois que vous avez le sol et le do, vous pouvez faire deux fois vive le vent sur chaque accord. Donc, ça fait ça. 3, 4... Puis vous revenez au sol, etc. etc. Donc, si ça, ça ne vous pose pas trop de problèmes, on continue et on essaie de voir au troisième accord qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on était sur le do, et ben on va rebasculer avec l'index, toujours sur la corde de la, mais en case 2, toujours en étouffant le mi grave, et ça va faire un genre de si mineur. Si ça, vous arrivez à le faire, vous repassez encore une fois au do, et on a une série de 4 mesures, okay, 4 fois 4 temps, avec trois accords, le sol, le do, le si mineur, et on repasse au do avant de finir et de repartir pour un cycle. Alors, dès que vous savez un petit peu faire ça, on va voir comment le travailler efficacement, non pas au métronome, mais avec un drum track de YouTube que j'utilise pour travailler moi et que je conseille aussi à tous mes élèves. Parce que le métronome, on va bien se l'avouer, c'est quand même pas très fun, c'est quand même un peu mieux de jouer avec un batteur, même s'il est virtuel. Donc essayez de faire ça avec moi, l'enchaînement des trois accords sur quatre mesures, et si c'est bon, on voit comment on peut faire ça avec le batteur virtuel sur YouTube. C'est parti. 3, 4. Okay. Donc si vous en êtes là, c'est super, vous avez déjà tous les éléments à votre disposition. Un rythme régulier, simple à faire avec la main droite, et des accords qui ne changent pas trop au niveau des positions. Et du coup, vous pouvez vous faire plaisir quand même assez rapidement. Okay ? Parce que souvent, quand on apprend les accords de base, les accords ouverts, c'est déjà assez difficile en tant que débutant de pouvoir les enchaîner en rythme, en fait. Hein, puisque le but de la musique, c'est ça, c'est de faire du rythme avec ça. Si vous ne les enchaînez pas en rythme, il y a toujours des petits silences entre les accords et ça ne sonne pas vraiment comme le truc. Donc, je vous fais le petit partage d'écran avec le batteur virtuel. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Il suffit simplement de taper dans YouTube, dans la barre de recherche, drum track pour piste de batterie. Alors, j'ai mis 70 BPM, c'est complètement arbitraire. Si ça va trop vite, vous mettez 60. Et si vous êtes à l'aise, vous augmentez progressivement. Alors par palier de 10, ça peut aller un peu vite, entre deux paliers peut-être. Donc voyez comment vous êtes à l'aise pour vous mettre à une vitesse qui n'est pas trop difficile pour vous. Voilà. Okay ? Allez, on commence, on fait notre séquence d'accords avec le batteur virtuel, c'est parti. Donc vous voyez, c'est super fun de pouvoir jouer avec un batteur virtuel. Ça vous permet aussi d'appréhender un petit peu la mesure et de vous repérer sur quel temps vous êtes, etc. Au début, ce n'est pas forcément facile à faire. Et le faire en tapant du pied, c'est une difficulté supplémentaire, en tout cas quand on débute. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ça avec le drum track magique de YouTube. C'est vraiment un outil qui est super et qui va vous faire développer un sens du rythme super solide dès le début. Donc, je vais vous repartager une dernière fois le petit document
pour faire la conclusion de cette vidéo. Donc on est parti de la pulsation, la vitesse du morceau. On a fait un rythme simple. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller faire les rythmes, les autres rythmes que j'ai mis, en fait, c'est-à-dire le même, le rythme vive le vent, là. Mais au lieu de faire que des coups vers le bas, vous introduisez le coup vers le haut. Donc le 1, 2, 3, 4, sur chaque accord. Et si ça, ça va bien, vous pouvez essayer le rythme suivant, qui lui va faire 1, 2, donc là, c'est un peu plus dur, c'est-à-dire qu'on joue sur le 1, le et du 1. Donc on fait bas, haut. Sur le 2, on fait rien, mais on fait quand même un mouvement. Okay, on fait un mouvement vers le bas parce que la main droite ne s'arrête jamais. Sinon, vous allez vous mettre à l'envers dans les coups. Vous allez prendre un bas pour un haut ou vice-versa. Donc on joue sur le 1, le et du 1. Ensuite, le 2, on fait un mouvement, un coup pour rien, on va appeler ça. Et on joue un coup à retour sur le et du 2. Donc ça fait ça, 3, 4, et après on recommence le même motif sur 3 et après on joue le et du 4 également. Donc sur le sol, ça fait ça, 3, 4. Là, je l'ai fait directement sur les, la séquence des trois accords sur quatre mesures pour vous donner un petit peu l'idée de comment ça sonne. Et si vous êtes super chaud, et ben vous n'avez qu'à inventer un rythme en choisissant à chaque fois sur chaque temps soit un coup vers le bas, soit que le contretemps, le E, qui sera un coup vers le haut a priori, soit les deux, un bas haut. Okay, et vous pouvez inventer un rythme sur cette séquence d'accords et vous amuser avec tout ça. Voilà, bah, c'était un petit peu le Back to Basic numéro 1. Vous aurez bien sûr le PDF que j'ai partagé gratos, sans inscription, sans mailing, sans Tipeee, sans Patreon, sans rien du tout. Tout est gratuit et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc si vous souhaitez mettre un petit like, un petit commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et si vous voulez vous abonner, et bah, c'est encore mieux. Voilà, vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour le bac basique numéro 2 qui sera consacré aux accords ouverts. Allez, bon week-end à vous. Ciao.